Bonjour les amis, aujourd'hui je vais préparer une omelette pizza. C'est la première fois de ma vie que je cuisine. Je me demande comment ça va devenir et j'espère que je ne vais pas faire des bêtises quand même. Alors les ingrédients qu'on a besoin, ce sont les œufs. Je les ai déjà craqués pour les mettre dans le bol. Mais faites attention aussi, tout à l'heure on a besoin de 3 œufs. Mais faites attention aussi pour quand j'étais en train de les casser. En fait, il y avait un morceau qui était un morceau du coq qui venait tomber dans le bol. Et du coup, faites attention à ne pas faire la même faute parce que sinon après ça, je sais pas. Et on a besoin de poivrons rouges, de poivrons verts et aussi de tomates. On aura besoin aussi du persil. En gros, les ingrédients de la pizza aussi. Les fromages et j'ai rajouté aussi des olives. Alors à ce temps-là, on va faire cuire la poêle. Aussi, on va prendre maintenant de l'huile et on en met un peu partout sur. De l'huile, on en met un peu partout sur la poêle. Voilà. Après, je prends l'omelette. Je mélange. Ça peut prendre un certain temps quand même. J'en ai un peu renversé quand même, mais c'est pas grave. Je prends le bol, je mets tout comme ça. On va s'en sortir. J'espère. On y a un trou dans la pizza quand même. Alors, on prend les ingrédients. Je prends les ingrédients, j'en mets partout. Enfin, aussi, si vous avez envie, vous pouvez faire aussi un petit décor. Pas besoin de faire la même que je fais, vous pouvez faire n'importe laquelle. Pour pas perdre de temps, et ben je vais prendre un peu de poivron vert. Un peu de tomate. Après, un peu de persil. Ça sent pas vraiment une réussite, mais bon, on aura essayé. Du fromage. Des olives aussi. Des tomates.
normalement, je vais mettre toute l'assiette, normalement. Bon, normalement, ça doit prendre un certain temps, mais après, si vous êtes un peu patient, bah, normalement, ça devrait presque finir, si vous êtes patient. Là, normalement, ça devrait être une réussite. Partout quand même. Je fais un peu éparpillé et puis après c'est un peu sur le côté. Maintenant on prend la poêle, comme ça, pour qu'en fait tout le côté puisse en fait se réchauffer. Après on va attendre pour l'instant. Je vous retrouve dans la salle à manger. Voilà les amis, on a maintenant fini, la pizza a été cuite. La dernière fois quand on était en train de la faire cuire, j'avais dit que ce n'était pas une réussite, mais maintenant vu qu'elle est cuite, là on peut dire que c'est une réussite. Ça me donne vraiment envie de la manger quand même. Alors on va couper une part et je la mets dans l'assiette qui est juste à côté ici, à côté de la poêle. Voilà. Voilà. Donc là, on entend le bruit qui fait bouillir la pizza. Et du coup, en fait, ça doit être chaud quand même. Alors, bon, je l'ai pas vraiment. Alors, tiens, je vais prendre la fourchette qui va m'aider un petit peu. Oups. J'ai enlevé un peu les aliments. Alors, je prends là. Voilà. Alors, n'hésitez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans les commentaires. Si vous avez une question, par exemple, sur la pizza, et ben vous pouvez les écrire sur les commentaires et on va y répondre. Alors n'hésitez pas de nous mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.